Parole UTG, UTG1. Faut qu'il Aïe, sera, ouais. Ah, Jamel, c'est dur, c'est dur. Ouais. Ouais, Jamel, vraiment dommage de ces. Derrière, on a As-3. Pour Hassani qui va pas prendre trop longtemps avant de pousser tapis, on voit Mouskanit, là, on le devine. Il a Ça pas. peut être As-3 aussi. Ouais. C'est As-Dame, wow. Les amis. Allez. Oh, le spot de mutant pour passer à plus de 70 blindes contre une des plus grandes stars du poker mondial. Les carreaux, attention, le valet de carreaux serait très 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 coquin. Coquinou. Alors, on demande un roi de carreau, les mecs. Oh wow, donnez-moi de l'équité, bébé. C'est dur de jouer contre ces pros. Ouais, c'est clair. C'est... Ils ont toujours un bout de quelque chose qui pointe à la turn. Ouais, c'était la force de Bertrand à l'époque. Hein. Il avait toujours une turn favorable. Pas forcément qu'il allait lui donner tout de suite la gagne. Oh, c'est pas vrai. Waouh, quelle horreur pour Jamel Hassani ici. Oh, attention. Deux rois. J'annonce deux rois. Quelle allure. Quelle folie. Allez, il va être payé, donc normalement par Trojanovski, les autres vont passer. Allez, il a son moment, alors c'est plus un moment pour aller chercher un pot à 1 million ou à 700 000 comme tout à l'heure, mais c'est un pot pour revenir aux alentours de 300K. On les a tous rêvés, ça là, les amis, oh là, tu sais, quand il y a 4 mecs dans un coup, tu dis, allez, vas-y, maintenant. Il va pas faire tapis parce qu'il a quand même Choskin dans l'histoire et il aimerait bien, je pense, en... N'emmener peut-être un en plus. Ouais, 4-2-2, les cœurs sont vont. Ouais, ce sera dame et uniquement dame si on veut faire la pire horreur en deux sur Jamel Hassani. Ah, s'il apprend Rivière, alors là, c'est... allez. Allez, pour Jamel, pour continuer à rêver. Allez, super. Oh, quelle folie. Non mais les mecs, pour annoncer qu'un gars a deux rois, comme ça, on est là. Pour les avoir réellement dans ses mains. Nous, on avait démarré la journée avec une 150 avec 154 joueurs. Joueurs, ouais. On avait 5 femmes qui étaient là. Et il ne reste plus que Rania Nasreddin. Ouais, exit. Oh là là, attention, on a fait de pair la spéciale Bigot contre Choskin, le chip leader du tournoi qui est en train de mettre une pile à tout le monde, qui a pris énormément d'avance. Je ne sais pas si tout le monde mélange le pamplemousse et le fruit de la passion. En tout cas, ici, cette bottom two, comme on dit, la plus petite des deux paires. Hein, ouais, on l'a réalisé, ouais. On a fait 50, 65. Ah, j'ai presque envie de l'appeler Choskin, là. Qu'est-ce qu'il a, Choskin Surtout pas qu'on prenne un roi. Ici, c'est une under sur le 6 et le 5. Donc, on est plutôt heureux. On va pas se faire contrefaire. Ouais. Donc, s'il y a un 4, il a quand même dans le baba, Fabrice. Oui. Hein, est-ce qu'on va quand même mettre ici la boîte à chocolat? Non, quand même pas. C'est pas la meilleure des turns hein, pour Choskin. Allez, ne sort pas. Allez, parfait, nickel. Ça fait rien rentrer du tout cette histoire. 7 et 8 était déjà rentré à la turn, Benny. Oui, oui. 8, donc exactement. Non, il check encore. Il se dit que son adversaire a un truc. Il va peut-être faire juste une petite croquette. Ouais, il a fait tapis. Waouh, waouh. Énorme, il l'a laissé partir. Ouais, superbe de Fabrice, là. Ouais, ça a l'air, vous avez le petit rictus de Choskin, là. Comme ça, là. Tu sentais le mec qui a bugué, le petit léger bug, là. Ouais. Yuk qui a dû passer par le rattrapage quand même, les amis, je tiens à vous le dire. Bon. Allez, Ben. Ben qui a poussé son tapis. Il va être call. Il va être call, attention. Allez, Ben Polak, roi valet contre A7, il est dégoûté. Waouh. Oh là là, un flop à action. Allez, le valet tout de suite, tu vois, un valet tout de suite. 2-2-2-2-2, mais pas de trèfle, quoi. Du coup, ça fait... Je sais pas comment il fait Simon là-dessus. Quand il... Ouais. Faut éviter les trèfles maintenant, mais. Oh là là. Dégoûté la Ben qui revenait. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu depuis sa place payée à Londres. Allez, un roi, un valet pour le finaliste des World Series 2017. Ah.
Bon, eh bien, en voilà malheureusement un qui s'en va de ce beau casting tricolore. Jamel Hassani avec Assetoff, deux grosses blindes. Ouais, il va peut-être prendre le spot Jamel ici. Bon, il a simplement collé. Le call hein, à 7 hein, ici, il est dangereux. Ouais, hein, il est vraiment dangereux, les amis. C'est voilà. Bon, bah, c'est... Alors, on va voir ce que va faire Trojanovski parce que Hassani va checker hein, forcément. Il vient prendre un as hein, sur à 7 off ici. Oui, hein. Ouais, ça va être dur de ne pas en payer une. Hein. Trojanovski en plus qui est le raiser initial qui va c-bet. Alors, ce qui pourrait peut-être sauver Jamel, c'est si jamais c'était payé par Fatahi. Qui avait quand même bien slowplay sa paire de valets pré-flop. Donc ça serait bien, ça serait pas mal qu'il paye pour Jamel. Et que Jamel du coup se dise bon, c'est bête, call. Je dois passer. Allez, on va voir ce que fait Jamel maintenant. Toujours un peu embêtant de voir un bet et un call avant soi quand on a un as assez mal kické. Bon. Ouais. Là maintenant, il va falloir prendre un 7. Hit me, please. Allez, un petit 7. Allez, un 7. On est à droit. On est à droit. Ouais. Et là, le problème, c'est que même s'il y a une doublette, le valet va rentrer. Hein. C'est ça le problème. On a envie de défendre un as dans un 3-way, dans un 4-way, etc. On a vraiment envie de défendre un as. Mais quand vous avez une relance en début de parole, UTG, UTG1, faut Jamel, c'est dur. C'est dur. Ouais. Ouais, Jamel, vraiment dommage. C'est. Ouais, en plus, il a montré une carte. Alors, je sais même pas quelle carte il a montré en premier, parce que si c'est un 7, c'est dramatique. Ouais. On pouvait plus depuis le coup perdu As-Roi, As-Dame. Avec son As-Roi craqué contre le As-Dame de Canid qui a fait couleur. Alors, il se déséquipe avant la river. Hein. Ouais, c'est bien joué ça par contre. Ça, c'est tenté. Ouais, il avait raison. Mais voilà, c'est pas une défense.